Koh-Lanta annulé, Denis Brogniart, marqué, brise le silence. En plein tournage aux îles Fidji, Denis Brogniart a été surpris par l'arrêt de cette 19e saison de Koh-Lanta après qu'une candidate a accusé un camarade d'agression sexuelle. Marqué par l'événement, l'animateur s'exprime enfin. Le 10 mai 2018 au soir, ALPTF1 annonçait l'arrêt brutal du tournage de la prochaine saison de Koh-Lanta. Dans la foulée, on apprenait les raisons de cette annulation. Candide Renard, candidate de l'édition et fille de l'entraîneur Hervé Renard, accuse un autre participant d'agression sexuelle. Jusqu'alors silencieux sur l'affaire, Denis Brogniart brise le silence dans une vidéo publiée sur Twitter en mardi 15 mai. Le célèbre animateur du jeu d'aventure indique être de retour à Paris et vouloir simplement dire quelques mots. Tout d'abord, il évoque les 21 candidats de cette 19e saison annulée. Ils avaient commencé leur Koh-Lanta, cette aventure dont ils rêvaient. Je les ai rencontrés tous au moment où la mauvaise nouvelle leur a été annoncée. Je vous laisse imaginer leur immense déception et leur grande tristesse. Après avoir adressé une tendre pensée aux participants, Denis Brogniart révèle avoir très vite compris qu'il ne pourrait pas continuer à présenter l'édition, plus précisément dès l'instant où il a été prévenu de la situation, au petit matin du 5e jour. Il était impossible de poursuivre ce programme familial de divertissement alors que des accusations graves étaient portées par une candidate envers un de ses coéquipiers. Et je vous dis ça, évidemment, sans prendre position sur les faits, indique celui qui précise que lui-même et les équipes techniques ont été marquées par cet événement. L'animateur assure que le programme reviendra bientôt sur TF1. Un message qui laisse penser à un nouveau tournage dans les prochaines semaines. Affaire à suivre.